Salut les amis, c'est Dominicien Shadowside. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le jeu Code Lyoko IFSL. Donc, c'est un fan game en fait. Alors, go faire une petite part. Désolé. Voilà. Alors, moi je propose qu'on mette un Lyoko guerrier en version Xana. Donc, je propose de mettre. Yumi, parce que c'est celle que j'aime le moins. Désolé. Voilà. Leurs uniformes virtuels, je préfère ceux de la saison 1 perso. Alors, Xana Lyoko, donc on va mettre la méduse. On va pas mettre la méduse voleuse, mais on va mettre la méduse xanatifiante. Parce que voleuse, je sais. Je suis très nul, donc récupérer les codes ADN et tout. Pas vraiment très ouf. Alternation d'ADN et tout ça, sûrement pas. Donc voilà, je pense qu'il y a à peu près tout qui est bon, le polymorphe. Xanatification, je laisse toujours au premier niveau parce que je suis débutant. Donc commencer, il me semble ne rien avoir oublié. Bon alors désolé, mais je joue avec une seule main et je filme avec l'autre, du coup c'est assez compliqué. Bon alors par contre je m'excuse d'avance si ça lag un peu, mais c'est juste que j'ai mon ordi, il a 4 émos de RAM et il a que et lui il faut minimum 6 émos de RAM pour qu'il charge correctement. Donc voilà, désolé du bruit, hein, c'est ma famille. Donc voilà, très prochainement il y aura peut-être une vidéo Roblox Code Lyoko Revirtualized, mais c'est pas sûr. Parce que ça c'est un truc où vraiment faut les deux mains pour jouer, donc c'est très 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 galère. Donc je demanderai à mon neveu de me filmer. Et au cas où, s'il veut pas, malheureusement il n'y aura pas de vidéo sur Code Lyoko Revirtualized. Ou du moins peut-être pas cette semaine. Donc voilà. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Bon, désolé si c'est un peu long, hein, je vais couper et on se reprend quand ça commence. Donc voilà, ça commence. Hein. Désolé si c'est flou, mais la qualité elle est pas très très ouf, hein, sur mon ordi. Ok, donc tour activé. Hop. Ok, réponse de tout le monde, c'est parfait. Alors où se trouve la tour activée? Tour 7, territoire de la forêt. Quelle est la tour la plus proche? Ok, c'est elle. Tour 5. Transfert. Transfert. William. Transfert. Ulrich. Transfert. Odd. Scan. Alors, scanner. Odd.
scanner William. Scanner Ulrich. Désolé, j'ai fait une coupure. Du coup, virt.tout.forêt. On a dit 5, hein, c'est ça. Et virtualisation. Ok, donc voilà, donc alors maintenant Aïlta transfert Aïlta scanner mince. Hop. Scanner Aïlta virt.tout.william virtualisation. Mince, j'ai fait une erreur. Virt.tout.william virtualisation. Bon, liaison, hop. Alors attendez, Yoko Guerrier, on va mettre Odd, lui on va mettre Odd aussi, non mince, Odd on va le mettre, on va le faire aller à la tour 7. Et William, il va aller de son côté à la tour 7 aussi. Bon, il part après. Et les autres, mais c'est pas grave. Alors, j'ai pas encore. Enfin, j'ai pas regardé le comité d'accueil qu'il y avait. Donc, ça lag vraiment. Enfin, en fait, ça dépend. Des fois, ça lag pas, des fois, ça lag. Du coup, c'est assez. Mince, désolé. Ok, ils sont en combat, parfait. Flèche laser X sur la première manta. William. Charge X. Aïlta, champ de force. Ulrich, impact normal. Et voilà, gagné. Ok, il y a Yumi contrôlée par Xana. Du coup, qui arrive. Voyons voir dans les monstres. Crabe, ok. L'attaque, elle est. Ouais, ça va en vrai. Mince. Monstre, pour l'instant il n'y a que le crabe. C'est plutôt pas mal. Du coup, je pense qu'on peut se fight contre Yumi, Xana, Tifier et un crabe. L'attaque est pas vraiment. C'est pas vraiment. 295 ans. C'est pas énorme. Donc là vous voyez qu'elle est vraiment contrôlée par Xana, elle a le logo sur la tête et dans les yeux. Alors, y a-t-il un autre monstre? Non.
pas d'autres monstres à l'horizon. Par contre, voilà. Ok, un crabe. Sur Yumi. Oh, on lui fait mal. Chante fort. Bon, William, on va faire charge X sur le crabe. Ouh, c'est qu'elle fait mal la cocotte. Ouais, bon. Ulrich, bute-moi le crabe. Et hop, il finit Yumi, parfait. D'autres monstres en approche. Non, aucun monstre n'a spawn pour le moment. Oh, la méduse et un bloc. Aïta va vite dans la tour. Faut pas que la méduse attrape qui que ce soit. Attendez, je vais regarder s'ils sont loin ou pas. Les monstres. Alors là j'ai peur parce que je vois un monstre et je vois pas le deuxième. C'est... Ah ok, le deuxième le suit. Alors attendez. C'est la méduse. Ok, elle est en train d'essayer de xanatifier William. Ouais. Ouais, bon, mine de rien, elle xanatifie assez vite. Donc, va pas falloir perdre de temps. Par contre, j'aimerais bien tester combo, c'est quoi ? Tueur de crabe. Hein ? Il a fait quoi, là ? J'ai pas capté. Mais en fait, il s'est retiré des points de vie, là, non ? Bon, on va pas utiliser ça juste pour la méduse, hein, quand même. Faut pas abuser. Mais elle est presque morte, de toute façon. Ok, elle a relâché William. C'est parfait. Montez tour. La méduse a fait assez de dégâts comme ça. Alors, il faut que... que sa mémoire monte jusqu'à 9999 pour qu'il soit xanatifié. Donc elle a quand même mis 700 de mémoire en plus, hein, c'est... Bon bah voilà, ils peuvent rentrer au bercail, hein. Dévire. Alors. Matérialisation odd. Matérialisation Ulrich. Ah, William contre un bloc. Hop là. Matérialisation à Ilita. Voilà. Bon, maintenant. Matérialisation, William. Et... Point exé. Bon, bah voilà les amis. Alors, attendez. Yeah.
Hop. Hop. Voilà. Donc, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter si j'arrive à activer les commentaires. Partagez, vous abonner, activer la cloche des notifications et liker. Voilà. Sur ce, à la prochaine, les amis. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.